À Rennes, hier, un millier de personnes manifestent contre la loi travail. Peu avant 15h environ, 300 manifestants se dirigent vers la rocade de Rennes avec l'intention de la bloquer. Quatre voitures de CRS chargent alors la foule pour la disperser. On distingue du gaz lacrymogène vaporisé depuis les vitres. Des témoins parlent de violents coups de matraque. On était là pour regarder et ils ont frappé gratuitement. En roulant ? Oui, en roulant, oui. 5 manifestants sont blessés. Dans la foule, des journalistes affirment avoir été pris à partie par les policiers. Sur ces images, la situation est extrêmement tendue. On commence à faire des photos de cette charge de police et c'est là où j'ai reçu un coup de matraque en pleine face. Le préfet conteste toute violence volontaire de la part des forces de l'ordre. Selon lui, les conditions d'intervention étaient délicates. Toute violence est condamnable et critiquable, mais tenez compte aussi des circonstances particulières dans une manifestation violente par ailleurs et contre des individus déterminés. La mairie de Rennes a demandé l'ouverture d'une enquête pour éclaircir les faits. L'association locale des journalistes va quant à elle saisir le défenseur des droits.